Un peu petit peu de peu de toi. Ah bah c'est bien ma veine. Non mais, vous êtes sérieux? Non mais, je veux faire un test vidéo, et y a pas un seul zonzon dans le jeu. Il n'y en a pas un seul. Non? Non. Ils sont partis où? Sérieux? Ah si on l'a un. Bonjour toi. La 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 Péter les plombs? Bah écoute, il est tout seul. Donc je fais du French cancan, j'avance le pied jusqu'à ce qu'il meure. Ah ça y est, ça a attiré les autres. Nah. Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek avec un chou ronchon et notre spécial guest star que je vous avais annoncé dans la première vidéo. Nous avons quelque part caché dans un coin ou déjà parti. T'étais où? Là. Voilà. On a un Mad Max qui s'est caché en haut d'une cage de foot. Putain, mais les mecs, heureusement que personne ne peut faire ça en vrai parce que sinon les parties de foot, ce serait vraiment le bordel. Donc Arc qui nous rejoint sur cette petite vidéo de toute petite vidéo test vidéo, on va retourner à la zone voir parler à Spike et Buffy. Et je commence par me rater magnifiquement. Et on court. Le dernier arrivé est un poulet. Ah bah non, je préfère poulet ninja. Tu seras un poulet quand même. Non mais ah, c'était pas ce que je voulais faire. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Est-ce que j'ai autant d'endurance que toi? Putain non, je suis déjà épuisé, merde. Ah, les rôles s'inversent. quelque part, ça me fait plaisir. Oh, tu viens ici, dépêche-toi. Attends, t'es un ninja. Je suis censé courir gavé longtemps, hein. Je suis censé avoir... Non, t'es censé grimper partout. Non, t'es censé tuer des gens. Elle est où l'entrée? Ah merde, j'ai fait demi-tour, fallait pas. Pardon. On te suit, normal. C'est là, non? Je sais pas, je vois un point d'objectif là-bas, moi, donc... Alors, il y a des chances que ce soit un point d'objectif. Ouais, le point rond, là-bas... Geronimo Cohen. Hop, oh, putain de merde. Il me rotule en moins. Ah, c'est pas l'heure, j'en ai une autre. Aïe. Oh là, la torche humaine, ici. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. Attends, il en a perdu un bras. Je suis bloqué par un fil de linge. Ouais, j'ai vu ça. Elle entre, elle est là. De mon côté. Pourquoi je te suis, moi? Bonne question. C'est par là. Regarde, faut monter dans le champ de bâtiment et sauter par-dessus le grillage. Oh, c'est le truc du docteur au tout début. Bah dis donc, ça commence bien. Non, pas le... Voilà. Non, c'est pas le docteur, c'est le mec qui est à côté du docteur. Oui, oui. Voilà, j'y suis. T'as vu, je suis arrivé avant toi. En plus, j'avais une grosse croix sur le toit du bâtiment. Je sais pas comment tu l'as raté. Oui, en attendant, nous on est dedans et pas vous. Donc c'est toi le poulet. Ah, on peut jouer à la marelle. Leroy Jenkins. Il faut que tous les joueurs soient présents. Hey, ninja du dimanche. Je suis là. Je veux te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait.
Malgré tes efforts, la mission de Brecon s'est soldée par un échec. Merde, il va bien ? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Donc si j'ai bien compris, si on rencontre un bronzé, on met un coup de lampe solaire sur un piège, c'est ça ? Bon bah du coup, retour à la maison. Là, cette fois, c'est la tour. Et bordel ! Non, ça va. Plus directement, si tu n'as pas de piège autour de toi, t'as une petite lampe solaire à UV qui te permettra de le ralentir, pas de l'arrêter. Oui. Copain. Mi. Alors. Bon, c'est pas grave, on va ouvrir ce coffre. Ah mais il est parti. Une tronçonneuse. Non, je déconne. Je comprends pas. Faites un rapport. Ah, il faut monter sur la tour pour faire un rapport au chef. Ben, je suis sur la tour. Oui, on comprend tout cela, je suppose. Possible, ouais. Regardez le zombie en face tout seul. Coucou! Ça va? Il fait beau. Ah, bah oui, tiens, je suis en train de faire le numéro jurande. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. Le zombie là-bas, il m'a regardé de travers. Bouge pas, Ark. Ah ! Ah ! Oui. Non, c'est le mien. Ah bah, j'étais soigné. Ah, on peut s'entre-soigner, c'est cool. Ouais. Montez. C'est quel zombie ? Allez. Ah merde. Allez, maravage. Descends. Oh, comment il s'est cassé la gueule. Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Non. Bon, ouais, non. Il est pas mort. Non, il bouge plus. Allez, on va voir monsieur... On va voir Brecon. Après, un mort vivant, par définition, en général... J'arrive. Bah, c'est à moitié mort, à moitié vivant. Oula. Où ça pue déjà? Bah oui, la porte dans... Y'a plus l'agent de sécu, y'a plus la porte est ouverte. Non, ça sent bon. Ouais, y'a du monde là. Ah, ça va. Et c'est ce que je viens de dire. Ne pas oublier de passer tous les jours... Voilà. Parce que tous les jours, ils donnent du matériel ouais. En attendant. On a fait le tuto aussi. Moi, je l'ai fait 5 fois. Pourquoi je suis le ninja maintenant? Hop. Hop. Je pense qu'il faut prendre l'ascenseur. J'ai l'impression comme ça. Et attendre les autres joueurs. Oh, des plans. Plan feu de l'enfer standard. Oh. On attend le bâtard, il a trouvé des plans. Ouais, plan acheté. Ah. Ah oui, il faut regarder le marchand. Il est où le marchand? Bah, il est là où on est. Ah bah, moi j'ai eu aucun plan pour le coup. Pourquoi ils ne vendent jamais de plan? C'est toujours un chou. Je pense qu'il les a achetés pour nous trois en fait. Ah. C'est ça, franchement, c'est cool. Tout ce que j'ai de gris parce que c'est là. Ah oui, c'est pas con ça. J'ai besoin de pognon. F, vendre tous les objets de. Valeur. De valeur. Donc là, du coup, j'ai 1080. Petit couteau simple, dégâts 28. Tu trouveras pas meilleur marché dans tout Aran. Ouais, on s'en fout. Allez, passons à l'étage supérieur. Okay, Chou, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pas moi. C'est moi. Ark, on n'a pas beaucoup de temps. Je suis là. Oh, pour une fois que c'est pas moi. C'est pas grave, même quand c'est pas toi, c'est toi. Oh. Tout de suite. Oui, tout de suite, maintenant, là. Narf, nego. Ah ! Oh, pardon. Marchand. Ouais, ça revient au même. J'achète plus de composants, c'est intéressant. Il y a une quête, ici. Bon. Allons voir machin. Jason. Non, pas Jason. Mais... On va voir ruban adhésif.
Ruban adhésif. Oui, il y a un grand craquage de chou sur la fin des Dead Island où il a... Je suis devenu accro. Écoute. Mais elle nous passe devant nous trois comme ça ? Les autres ont été attrapés par les pétasse. Et les hommes de Rai sont piégés. Putain, elle est sacrément fine, hein, pour être passé. Ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. On te soutient comme tu veux. Tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Léna. On y va. Et l'air sûr de toi. Salut Brecken. C'est pas moi qui ai volé les cases. Pardon. Comment c'est lui. Salut Jade. C'est qui ton ami? Kyle Kane. Et voilà messieurs dames pourquoi il ne faut pas ouvrir les portes avec la tête. On va trouver un autre moyen. Sans risquer ta peau. N'est-ce pas Kane? C'est bon, je vais m'en charger. Alors le son d'ambiance qu'on entend ne vient pas de la vidéo, mais de chez Chou, hein. Oh, chier. Ça prend pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas. J'aime pas push to talk. Parce que j'ai pas de push to talk sur ma manette. Là, tu mets un bouton. Tu dois pas de bouton pour veiller sur la tour. Pour les convaincre. Y'a pas de bouton sur ma manette. je vois que t'as plus de souris. Désolé les viewers. Mais ce genre de phrase, voilà. Totalement craqué. Bon, pour les prochaines cinématiques, on ferme notre gueule, hein. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Mon dieu, ma manette a pas de bouton. Il y a autre chose dont on doit parler. Non, on en a pas. Brecken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête, et maintenant il se met à avoir des crises. Et moi, je n'ai plus de l'Oratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Ouais, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça? Que veux-tu que je fasse, Léna? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors, il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes, et il peut être assez insistant, c'est le problème. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas. Wow. Ah, le petit... C'est toi qui as zappé la... Non, non, non. Non, non. Elle a fait un aller-retour. Dans le mur. Ok, on a vu la même chose. La fête des mères. Bon, bah, on va... Il y a des gens qui parlaient, d'ailleurs. On va aller voir Gazi tout de suite. On a plus beaucoup de temps pour cette petite vidéo, donc on fera les quêtes annexes la prochaine fois, quand on aura beaucoup plus de temps. On prend l'ascenseur. On va voir Gazi. Gazi. Petite dure, il n'y a plus de dure. Gazi. La plupart des traceurs étant hors service, Brecken aimerait que les éclaireurs prennent leur place. Et c'est tout. Il n'y a plus de tuteur. Non, il n'y a plus de voiture. Au moins là-dessus, j'aurais l'air moins con. En fait, c'est sur le DLC. Non, il y a les buggy, mais... D'ailleurs, les buggy, on sera emmerdés parce que c'est des biplaces. Alors, Gazi, par là-bas. C'est pas grave, il y en a un qui courra derrière. Non, mais on en prend deux, c'est tout. Ouais. Yaha! Oh fuck! Quoi déjà? C'est ici? Non. Bah si, la quête elle dit ici! Ah! Ça serait pas en dessous? Bah ça a l'air! Bizarre! Pour moi, Gazi c'était beaucoup plus loin, mais bon. Non mais faut aller en bas, je crois, pour parler, faut qu'on se réunisse. Excusez-moi, non, va-t'en madame. LOL, y'a un mec habillé en Noël. Oui, contactez le GRE. Y'a des zombies de Noël. D'accord, bon. Donc il faut aller... Sur la tour, ok, c'est en haut en fait. D'accord. Non, pas sur le toit. C'est pas sur le toit étage. Bon, bah de toute façon, je suis en train de monter. Sinon, il y a un escalier, tu passes par l'entrée. Hein. Il y a un escalier? Ils ont vraiment prévu un escalier dans ce jeu?
Je trouve pas la porte. Je trouve pas la porte. Oh non, putain, ils ont mis des barreaux aux fenêtres. Oh, il y a des caisses à ouvrir ici. On va essayer de passer par là. Non. Non, non, il y a un gros chocogi qui arrive pas à monter. Ah, tu sais pas conduire, après tu sais pas monter. Oh. Choisis quand même la face de l'immeuble où tu peux passer. Parce que t'as à côté où t'as des grillages. Casse-toi, morue. Ok. Je crois que je l'ai. Non mais... Où que t'es caché? Je suis sur le balcon. Bon, bah je remonte. Mais il y avait vraiment un escalier en intérieur en plus. Et puis il y a des choses à trouver dans les bâtiments. Allez, je suis sur le balcon. Chou, t'es où? Je me... Ah, ah. Attends, là-haut, où t'es parti? Ah, je suis là. Bon, bah je remonte. Il est marqué en attente d'autres joueurs. C'est pas en bas? Je sais plus. D'autres joueurs vous attendent. Ah. Voilà, bip bip. Non mais quelle idée nous mettre là et nous pas nous mettre sur le toit, quoi. Ici Crane. Au rapport. Le boss de la tour s'appelle Brecken. Ce n'est pas votre homme. L'autre suspect probable est un seigneur de guerre. Un gars du coin, prénommé Rice. Il stocke de l'antizine et raquette ensuite à mort tous ceux qui veulent lui en acheter. Je vais en mission pour récupérer de l'antizine d'un parachutage. Si ça marche pas, ils vont trouver autre chose. Bien reçu. Beau travail, Crane. Continuez comme ça, et laissez-nous le temps de planifier. Appelez-nous immédiatement quand vous aurez l'antizine. Vous savez c'est quoi le nom de famille de Rice? C'est Crispies. Sur cette blague pourrie, on repart. Mais prends le ruban adhésif. Ah, oh, mais je joue. Copieur. Ah, bah là, à plus de Genoux. Ah, on a fait le combo. Ce rire qui tombe. Mais comment? Mais comment vous êtes rentré dedans par le rez-de-chaussée, vous? On est sorti, on est plus dedans. Mais non, mais je veux dire, quand vous y êtes rentré. Non, non, c'est marrant. D'accord. Rater l'escalier. Et par là-bas. Toutes mes armes sont pétées. Comme cette voiture. Ratatouille. Hop! Arme inefficace. Allez vous faire mettre. Yoda? Oh, y'a quelqu'un qui parle. Y'a quelqu'un qui en. Quelqu'un qui parle comme ça? Ouais, y'a quelqu'un qui appelle à l'aide. Oui. Quand c'est bleu comme ça, il faut aller les aider. Ah, c'est un mec qui est. Se fasse dessus. Oui, on le sait, on te laisse pas par ici par pitié. En vrai, ce qui m'éclate, c'est que le mec il est derrière son machin. Il a une menace, mais il arrive. Oh, bah ben lui, il a perdu la tête. Donne pognon. Ah, ben, il m'a donné du pognon, pour de vrai. Tiens, bon. On peut explorer son machin, on peut passer par la fenêtre là. Oh, j'ai plus ramassé, rien là. Pour réparer, j'ai plus rien pour réparer mes armes. Elles sont toutes cassées. Mais de toute façon, c'est pas un jeu où tu es censé utiliser les armes, alors calmos. Figurine de zombie. Ah, ça se pète ces trucs. Bon. L'environnement. Je voyais un peu au travers, j'ai testé, et puis c'est effectivement, vous savez pas. L'environnement est destructible, c'est une bonne chose à savoir. Ah, j'ai les godasses têtes de flotte. Oh, ce viandage en bonne et due forme en plus. Ça me fait penser qu'il me reste quelques grenades. Ça peut être rigolo. Des grenades ou des pétards? Des grenades. Mais où est-ce que t'as été chopé des grenades, toi? Je sais pas, j'ai mis ça au pif dans une caisse. Ouais, la même, j'en ai plein. Oui, non, toi, on sait pourquoi, ville fourbe.
Aïe. Les trois quarts des livraisons atterrissent au chaudron. Alors si tu commences par là, tu as de grandes chances de l'attendre. Comment j'en fais des kits de réparation, merde? Il te faut le point de compétence pour qu'il te permette de les faire. Chercher la livraison dans le chaudron. J'ai combien de points de vie? Ça va. Dans le chaudron, voilà. Alors ça, monsieur le zombie, c'était nul à chier. Vous l'avez vu ou pas? Non. Il était là, il est passé par au-dessus le rebord, il est tombé, il a glissé entre les... Trouve un endroit sûr et attends. Tiens, Choco, les safes rouges... Ah oui. Fais gaffe, t'as un zombie qui est en train d'arriver sur le côté. Ouais, mais non, ça y est, il peut pas grimper. Les safes rouges, faut les débloquer en fait, faut les activer. Eh ben, c'est ce qu'on va faire et on terminera l'épisode là-dessus. Donc, faut normalement, y'a les portes, les accès à fermer et puis le courant à remettre. Et le nettoyage de la zone à faire, évidemment. Arrêtez. Faut tuer tout le monde. Il se casse la tronche dans le bac à sable, c'est ridicule. Aïe, j'ai rien dit. Aïe, pas ma jugulaire. C'est ma mère qui me l'a offert. Quand j'étais petit. Elle me l'a offert à ma naissance. Ah merde, non, lâche-moi. Ah, c'était plus rigolo quand c'était moi. Ah, de toute façon, c'est l'extérieur ça. Ce qu'il faut débloquer, c'est l'intérieur des bâtiments. Ah bah, faut le dire. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ah, il y a le zombie de Noël. Oh, coucou les zombies. Allez. Ah. Voilà. J'aurais besoin d'un peu d'aide. Oh, putain, ah, putain, lâchez-moi. J'ai tout répété. Oh là. J'ai tout fait péter. Malade. Coucou. Donc là, il faut tuer les zombies. Il faut activer ce machin-là. Je te montre où c'est. Je vois même pas où t'es. Oh, un sac. Ah ouais, c'est le... Toi-même. Ça. Eh ben, oh, allons-y. Et voilà. C'est bon, elle est active? Eh oui, ça y est. Donc maintenant, on peut s'arrêter ici. Mais on a pas... Il nous manque un chou, quand même, pour nous arrêter, là. On va remonter sur le toit. Il a un peu déclenché l'apocalypse, j'ai l'impression. Là. Eh... Je me bats tout seul. Mais arrête de te battre et monte. Attends, je vais l'aider. Non, regarde-moi ce qu'il y a en bas. Non, tu le laisses monter. C'est... Oh, oh. Aïe. Je suis avec des suicidaires. Eh bien, mes chers viewers, c'est sur ce coucher de soleil délicat, doux et tendre, pendant que Ark et Chou sont en train de désinguer... Ah non, Ark est en train de remonter, Chou est en train de courir. J'arrive. Oui, disent tous ça, les ninjas. Tu m'excuseras, mais sur l'assassinat, sur des morts vivants, ça marche pas terrible. Hein. Merde. Voilà. T'as vu, ils ont pensé à un coin pour faire la sieste. Bon, non, il y a même une petite plante verte. Voilà. Eh bien, mes chers amis, ce sera la fin de la première vidéo coop sur Dying Light pour les vendredis ces zombies avec un chou qui a visiblement besoin d'aller aux toilettes. Mais non, j'ai fait mes abdos. Enfin, non. Ça s'appelle des pumps. Tractions. Non, pas des tractions, tu te tractes pas là, espèce de tractopelle. Bref, fin de la première vidéo de Dying Light en coop sur Dying Light. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche une fois que vous êtes abonné pour suivre le fil de mes actualités. Si vous avez quelques sous-sous, mon Tipeee sera ravi de les accepter. Et maintenant, je vais laisser le mot de la fin à mes deux camarades. D'abord, Chou. Bonsoir, ça y est, vous avez les cadeaux. C'est gentil de m'avoir invité, monsieur. C'est raciste, ça, avec ça. Non, ce serait raciste s'il parlait de photos. Et le dernier mot, dernier mot pour Ark. Merci, salut. Ah ouais, non, tu fais presque aussi bien que... Allez, ciao, les gens. À tous.